Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour de festival avec Jérémy Frérot. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop content parce que Jérémy, c'est un artiste que j'aime trop et que j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc là, je suis vraiment trop content de voir enfin un concert entier parce qu'à chaque fois, c'était des concerts multi-artistes. Donc voilà. Cette soirée va se dérouler en plusieurs parties. On va d'abord manger, parce que la base. Et ensuite, donc, je suis là avec mes parents, mes grands-parents et il y a encore des amis à nous qui vont nous rejoindre. Donc franchement, la soirée va être géniale. J'ai beaucoup trop hâte et je vous emmène avec moi. Ah, c'était mieux ici, il y avait du soleil. Et même, il fait chaud. Regardez mon front luisant comme il fait chaud dans ce pays. Oh, déjà là, il n'y a pas de monde aujourd'hui. Du coup, là, on est parmi les premiers dans le stade aujourd'hui, contrairement à d'hab. Donc là, au moins, on aura de la place pour manger et tout. Par contre, Fleury, revoyez votre sécurité, qui font des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire. Voilà. Bref, bon. Bon du coup là tout autour c'est tous les stands de bouffe avec toutes les tables et tout. On voit mieux que l'autre soir parce que l'autre soir on voyait vraiment rien. Dernière soirée du 30e anniversaire des Festes Jade 2019. Le soleil est là, le beau temps, il fait beau et je confirme, mais la chaleur aussi. Bienvenue à tous et à toutes sur le stade de Fleury. Nous sommes ensemble jusqu'à peu près 1h du matin. Je vais vous annoncer bien sûr le programme de votre soirée au niveau des animations. En plus sur le vert, genre c'est écrit Jérémy Frérot. Répertoire pop hispanique qui se produit dans tout le grand sud de la France. On en parlera avec eux tout à l'heure. Et Jérémy là-dedans. Ce soir, à partir de après 21h, le grand concert de Jérémy Frérot. Yes oui, en deuxième partie. J'adore. La troisième. C'est pour moi ça. Wow. T'as vu, ils ont changé la première partie. Bon du coup là c'est la première partie et on attend Jérémy, là je vais les mettre en place pour le concert. Je veux pas être de toute façon tout devant mais pour pas être trop derrière non plus. Donc let's go, passe une bonne soirée. Cette scène va être notre navire et vous allez être les matelots de ce navire. Est-ce que vous voulez naviguer? Alors embarquons. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux
paysage, là je peux s'en moquer, mais tous ces nuages, nous devons y passer. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. T'aimes prendre l'air,
descente. Pendant le temps des papillons, je fais le con. T'as compris qui on était?
Du coup, on commence à faire, tu sais, en voyage, il y a toujours des petites soirées à faire pour se rencontrer, boire des coups. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu nos bières. Est-ce que quelqu'un peut nous en ramener? Est-ce qu'ils ont chaud? Je disais donc, en voyage, il y a toujours un moment où on se rapproche, on boit des coups, on danse. Et il y a toujours un mec ou une nana, n'importe, qui nique l'ambiance. Parce qu'il ou elle danse mieux que les autres. Et donc, personne ne veut danser à côté. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est moi. La main au vent. Alors du coup, c'est la main opposée au pied droit. C'est la main gauche. Ça va, pour l'instant, tout le monde se... Tout le monde a compris. Mettez avec les bisous si c'est bon. Vous souvenez juste qu'un jour on est tous obligés de le faire, ok? Et après on la porte. Mais là, je me sens bien. Là, on me sent très très bien. Et pour que tout se passe bien comme ceci, c'est-à-dire naviguer avec des vagues, beaucoup de vagues, il faut des gars comme eux. Il faut des gens comme vous. Écoutez. Mais il y a des gens qui tiennent réellement la barre. Non, mais elle avait la piscine. Et du coup, j'ai un peu réfléchi sur le fait de ne pas aimer les fins. Il y a eu vraiment des choses assez extravagantes qui sont ressorties de cette réflexion, dont j'ai envie de faire part. Depuis que je suis tout petit, je déteste les fins, sauf la fin des devoirs. J'ai vu qu'il y avait des enfants. Hein, les devoirs. Ouais, les devoirs, c'est chiant. Oui, ça c'est chiant. Parce qu'on t'a enlevé.
on t'a pas appris à aimer les devoirs. Ça m'arrive aujourd'hui, en ayant grandi, mais pas pour les mêmes raisons, je ne fais plus des voyages avec mes parents pendant 6 heures, mais je fais des grandes soirées avec mes amis jusqu'à 6 heures le matin. Et c'est là où je me rends compte qu'à 6 heures du matin, quand tu n'as pas envie de voir le jour se lever et que tu es assis comme ça, tu ne penses plus à rien, c'est à ce moment-là que tu es au moment présent. Waouh. Énorme. Vous n'y attendez pas, ça y est. C'était juste pour introduire la chanson que je vais faire maintenant. Je pense que j'aurais pu raconter une blague, ça aurait été mieux. Ça va au bar là sur les côtés, tout va bien? Coucou. Ça va? Je vous vois pas du tout. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Un docteur, il a un laser. Bon, je vais vous la chanter quand même, histoire de plomber l'ambiance. Avant le jour. Dans 2 heures. On sera demain. Là, hier sera notre aujourd'hui. Et la nuit suspend jusqu'au matin la grande guerre que l'on fait à la vie. Ça serait génial si tout le monde faisait ça. Ici, pas d'avenir, pas d'avant. C'est la même lueur qui nous parcourt. Retiens le silence apaisant. Des heures. Vêtus de merveilleux matelots. J'espère qu'on reviendra très très vite chez vous pour naviguer, jeter l'ancre, regonfler ses voiles, parce que vous avez été très très bons. Je suis arrivé à la gare de Narbonne. Et donc j'ai fait un peu de route pour arriver jusqu'ici. Et j'ai pu voir que vous aviez une très 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 belle région. Une merveilleuse région. Et en plus de cela, très bien préservée. Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Bravo. C'est très accueillant, c'est très beau, c'est... On se dit que vous avez envie de garder cet endroit magnifique. Et vous avez raison, parce que pour vos enfants, il faut le faire. Pour eux, il faut garder cet endroit très beau, très propre. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette démarche, de changer quelques habitudes de vie, quelques petites choses, vous pouvez. Le plus simple, c'est d'acheter des gourdes pour éviter de jeter un maximum de plastique. Ça éviterait d'en jeter énormément. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Vous pouvez regarder, on a tous internet, vous pouvez regarder sur internet comment on peut faire. Mais ça, c'est la plus facile. C'est la plus simple. Bravo pour cela, Florent. J'ai lancé des chevaux. À l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux. Et jusque-là, ils courent, j'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles. Et jusque-là, ils tracent, je suis de l'eau, oui, je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau, là, sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau. Des idéaux, je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Bon, le concert s'est terminé, c'était trop trop bien, du coup maintenant j'essaye de voir Jérémy, mais voilà, mais franchement c'était génial, le concert, mais c'était ouf, genre vraiment.